Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire, Cyril, de cette avant-première que tu attends à Nice, chez toi ? Bah écoute, ce que je peux dire, c'est que je les ai un peu comme ça, parce que voilà, c'est vrai qu'on fait un tour de France là, et tout se passe très bien, les gens sont très bienveillants, il y a un accueil très chaleureux, mais là, voilà, j'ai ma famille, mes amis, mon père, ma mère, ma femme, ma fille qui sont là. Donc je suis, voilà, beaucoup plus stressé que sur une autre ville où on peut prendre un peu... confiance et à rouler des mécaniques, quoi. Il y a un compliment que tu aimerais particulièrement qu'on te fasse, quelque chose que tu attendrais ou... Bah, il y a un compliment qu'on nous a fait, c'est que c'était un film qui donnait envie aux gens de dire à leurs compagnons, à leurs compagnes qu'ils l'aimaient. Et voilà, donc ça fait très plaisir. D'accord. Et sinon, donc la suite pour le film, d'autres avant-premières? Ouais, bah écoute, je te dis, on fait un tour de France là, donc on vient de faire tout l'est de la France, de Strasbourg à Nice ce soir. Et puis la semaine prochaine, on fait tout l'ouest, donc de Rennes à Bordeaux, et puis on termine par Paris, quoi, avant la sortie. Vous êtes venu se faire présenter l'avant-première du film de Cyril Gelblas, Tout pour être heureux, dont le scénario est inspiré de votre roman. Donc, qu'est-ce que vous attendez de ce film, de la projection? De ce film, j'en attends beaucoup, j'en suis très fier, parce que j'ai déjà eu la chance de le voir. Donc, c'est une adaptation, effectivement, de mon premier livre, Un coup à prendre. C'est une magnifique trahison que m'a faite Cyril Gelblas. C'est ce personnage d'Antoine a pris corps à l'écran et j'en suis très fier. Parfois, certains romanciers ont des livres adaptés à l'écran et n'ont pas nécessairement la chance de pouvoir s'y retrouver. Et ben moi j'en suis une fois de plus très fier. Alors qu'est-ce que j'en attends? Que le public soit avec Antoine, avec ses personnages, avec cette belle histoire qui est née aussi ici à Nice, parce que Cyril est niçois, et qu'on s'est rencontrés un jour à Nice tous les deux, et il a eu cette idée, il m'a dit voilà, j'ai lu ton livre, j'aimerais beaucoup l'adapter au cinéma, est-ce que tu m'autoriserais à me l'approprier? Et j'ai lu dans ses yeux qu'il avait à la fois la foi et la détermination, et on a passé une espèce de pacte amical ensemble, et il en a fait une très très belle histoire. D'accord. Pourquoi vous avez parlé de trahison du coup? Parce que un livre, c'est très difficile de l'adapter littéralement au cinéma. Le scénario exige évidemment une appropriation. Et puis un réalisateur a aussi besoin de prendre une histoire et de la faire sienne. Donc il a rajouté des choses, il a respecté évidemment l'histoire de ce père avec ses enfants et l'histoire d'amour. Mais il a aussi tissé autour son univers. Donc c'est une jolie trahison. D'accord. Quel est votre rapport avec le cinéma? Parce que vous venez de la littérature, mais vous avez connu surtout animateur. Journaliste, présentateur. Ouais. Donc c'est des mondes qui communiquent, qui ont des rapports? Non, moi je travaille beaucoup dans le réel toute la journée, et Dieu sait si le réel est triste en ce moment et le monde est dur. Donc la fiction, c'est pour moi, comment dirais-je, une autre vie, un autre monde. J'écris un autre monde, j'écris des romans, j'ai un rapport de passionné au 7e art, au cinéma. Et puis le cinéma a toujours accompagné, ma vie a toujours rythmé mes week-ends quand j'étais enfant et continue aujourd'hui avec mes enfants ou seul avec ma femme ou voilà, à m'habiter. J'adore ça, j'adore la fiction. D'accord. Et donc vous avez d'autres projets de scénarios, de livres Ah bah de livres toujours. Je viens de sortir mon 4e livre qui s'appelle Charles Draper, qui est sorti le 10 février. Mmh. Et puis oui, l'écriture c'est depuis toujours, il n'y a aucune raison que ça s'arrête dans ma vie. C'est un enfant du pays, il vient faire sa projection à Nice. Mesdames, messieurs, je demande encore plus d'applaudissements, s'il vous plaît. Bonsoir. Je vois une salle pleine. Moi, j'ai fait des avant-premières ici, en tant que spectateur, qui n'étaient pas pleines. Et j'avais cette phobie, parce que c'est vrai que j'ai déjà... présenter le film à mes amis, on a fait une petite projo privée ici, et puis j'ai dit à la personne de la Cinémathèque qui m'a prêté sa salle et que je remercie encore, ouais, on va faire un truc un peu cosy, on va être entre nous, et puis on a été 350 au final, donc j'avais peur, je me suis dit, oh là là, est-ce que le public niçois autre que ma sphère privée va venir, et là je vois cette salle remplie, Mario, l'exploitant de cette salle, a ouvert une deuxième salle, et je suis tellement ému, tellement fier que cette salle soit pleine. J'en cauchemardais. Et je peux vous dire un truc, c'est que, voilà, on fait un petit tour de France en ce moment, on reçoit un accueil formidable
de tous les publics, c'est très chaleureux, c'est très émotionnel, c'est très bienveillant. Et alors on commence à prendre un peu confiance, on bombe un peu le torse parce que voilà, ça se passe bien. Et là, je suis arrivé et je flippe ma race parce que c'est ma ville, c'est mon cinéma, c'est même ma salle. J'ai habité rue de Russie derrière. Je disais à Mario, je suis déjà rentré par la sortie de secours pour pas payer ma place ici. Je fais mon coming out. C'est fini tout ça. Ça me procure une émotion dingue. C'est un film que je qualifierais de film paix des anges parce qu'il est né ici. Et donc le projeter là ce soir, moi aussi, ça me fait un peu flipper. Mais j'ai écrit ce livre, Un coup à prendre, en 2011. Et j'étais en signature à la Fnac de Nice quand Cyril est venu me voir pour me demander d'adapter ce livre au cinéma. Et j'ai lu dans ses yeux quelque chose que j'adore voir dans les yeux des gens, c'est la foi et la détermination. Et j'ai su ce jour-là que ce film serait beau et qu'il se ferait. J'espère que le film vous plaira. À n'en pas douter. Au moins, nous, on n'en est pas là. Hein. Oh non. Pour la pension alimentaire, on ne touche pas. J'avais pensé à un montant de 800 euros par mois. Quoi? 10 ans de vie commune aussi. Hein. Mais ça fait 10 ans que t'es dans la merde, Antoine. Eh bah, ça veut dire quoi? Carte bleue invalide. Puis là, c'est pas fini. Il va falloir qu'il se loge, qu'il apprenne à se faire à manger. C'est quoi la viande à 5 euros le kilo là? Ça, c'est de la viande pour animaux, monsieur. Et parce que je suis l'homme qui ne sait rien faire. Des pères célibataires, j'en loge plus que des jolis petits couples. À bientôt. Alors au début, on a envie de vous aider parce que vous êtes tellement paumés. Ouais. Mais quelques mois après, nous, ça nous retombe sur la gueule. Parce que quoi, je... Bah parce que vous êtes incapable de vivre tout seul. Mais t'es un enculé, Antoine. Quitter une femme comme Alice. Excuse-moi, là, je pensais trouver du réconfort en venant parler à ma sœur. Je sais pas ce qui m'a pris. Tu veux baiser à trois? Ouais. Pourquoi pas, ouais. Un, deux, trois. Papa? Eh ben non. Qui c'est qui t'a appris à parler comme ça? C'est toi. Elle t'a laissé ça, maman. Quoi? Mais il faut que tu trouves une solution, parce qu'on a tous des problèmes de bonne femme. J'ai peur. C'est très très bon, ça vient chez le traiteur. C'est quoi un traiteur? Quelqu'un qui s'embête à cuisiner toute la journée et qui te vend ça à 50 euros le kilo. Ça a l'air moche. J'ai appelé le président de la République. T'as même pas son numéro. Ton genre de fille, c'est quoi? Elle est consentante. On dirait que tu veux vraiment pas que ton père refasse sa vie. Papa, je suis ta fille. C'est normal que je veux pas que tu refasses ta vie. Léo, elle me regarde, elle me fait « Papa, en fait, je crois que j'ai une galère à caille. » C'est ce que je me disais quand je la regardais au tribunal. Je me disais qu'elle était plus belle sans moi. J'aimerais au moins comprendre pourquoi elle est partie. Tu devrais essayer plutôt de comprendre pourquoi elle est restée. Tu veux l'oublier, Alice, ou tu veux tout faire pour la récupérer? T'as un boulevard devant toi. Bon, alors c'est qui le meilleur papa du monde? C'est maman. Je voulais parler de la paternité, je voulais parler de la parentalité, et puis je trouvais pas cet axe, je trouvais pas ce trajet. Ce que je voulais raconter de moi n'était pas intéressant parce que moi j'avais pas de trajet, j'étais ça dès sa naissance à elle. Il a plus qu'adapté ce livre, il l'a dépassé, il se l'est approprié, il a fait son Antoine, il a créé cette sœur incroyable qui est dans le film, or qui apporte cette humanité, et voilà, il a fait de ce livre son film, et de A à Z, c'est son film, c'est son scénario, c'est son histoire, et cet Antoine, on l'a fait un petit peu à trois, en trois temps différents, donc moi en premier, puis Cyril, et puis Manu qui finit de lui donner corps et âme. Parmi les scènes qui me concernent, je dirais celle du lit. Parce que déjà, pour moi, c'était un plaisir, comme j'ai pas de petit frère, donc j'en ai eu un pendant quelques temps. C'était pas mal. Et puis celle du lit, parce qu'il y a un truc de tendresse dans l'histoire, un truc de tendresse du personnage. Voilà, le frère et la sœur se retrouvent. Et puis c'était amusant à faire... avec Manu, de toute façon, c'était la fin d'une joyeuse collaboration. Donc ça, c'était une scène que j'ai bien aimé faire. Mais j'aimais bien aussi lui dire ses quatre vérités en face. Lui dire, mais t'es un enfoiré, Antoine. Ça, j'ai bien aimé aussi. Quant à moi, je dois avouer que
quand on joue un papa pour la première fois et qu'on n'est pas soi-même papa, parce que c'est pas mon cas, et qu'on a notamment une petite fille de cinéma comme Raphaël, une aînée comme Jaya, qui n'est pas la soeur mais que j'embrasse quand même, tous ces moments passés avec elle finissent par te faire réfléchir. Et puis après, une fois que tu as fait le film, une fois que tu passes plus de moments avec elle, puisqu'elle est rentrée chez elle, elles sont rentrées chez elle, bah, tu réfléchis encore plus. Rechercheriez-vous éventuellement des stagiaires pour votre prochain tournage? Oui. Ah ben on a toujours besoin d'un café. D'une voiture qui vient t'attendre dès 5h du matin alors que tu dois tourner à 9h. Donc si tu as envie d'avoir cette vie-là, n'hésite pas. Écris-moi. Est-ce que plus tard tu veux être actrice ou pas? Je sais pas trop car au début je voulais devenir styliste, après je voulais devenir actrice et après je voulais faire le métier de mon papa. C'est quoi le prochain film? Est-ce qu'il y a déjà une suite en écriture possible, imaginée, ou est-ce que c'est totalement autre chose, ou est-ce que c'est qu'un projet pour l'instant? J'en ouais, ben on va faire la suite de ça. Tout pour être deux. Non, c'est pas vrai. Enfin, c'est jamais, ouais. Pas. En tout cas, jamais, ouais. Troisième million, on nous en parlera. Non, mais non, non. En fait, moi j'ai fait 12 ans de radio, ce qui est beaucoup. Et avant de me transformer en micro, je me suis dit qu'il fallait que je fasse autre chose. Donc je suis allé faire... J'avais un rêve de gosse, c'était... En fait, j'avais plein de rêves de gosse. Et parmi mes rêves de gamin, j'y avais monté sur scène, faire un spectacle, un one-man show. Et pour vraiment me donner les moyens de monter sur scène et de provoquer le truc et que ça se fasse et que je le prenne au sérieux, il fallait que je parte du confort que m'apportait quand même le métier d'animateur radio, parce que c'était sur énergie et que c'était une grosse émission importante en audience. Donc je suis parti, je suis allé faire mon spectacle. Au début, dans la salle, ils étaient 7. C'était moins drôle que là. Parce qu'au début, je leur serrais la main. Et donc j'ai flippé, je me suis dit, ok, j'ai complètement déconné, en fait, il n'y aura personne dans cette salle. Il y avait 350 places et ils étaient 7 au début. Le deuxième soir, quand ils étaient 8, parce qu'il y a eu un mec qui a dû se tromper de théâtre, et puis... Le deuxième soir, je leur ai proposé d'aller boire un verre avec moi à côté. Sans déconner, en plus, je l'ai fait, je leur ai dit, je vais vous raconter des trucs du spectacle, et on boit des coups et c'est pour moi. Et je vous inviterai quand il y aura vraiment du monde. Donc j'ai fait ça plusieurs fois et quelques murges plus tard, il y a eu, Dieu merci, des gens, grâce à Laurent Ruquier notamment, qui m'avait pris en cette émission. Et puis ensuite, ben voilà, il y a un producteur de film qui est venu me voir sur scène, qui a trouvé ça bien, et puis qui m'a proposé de faire un petit rôle. Et en fait... Moi, la radio... Là, bah, voilà. Moi, la radio et le one man, j'ai toujours essayé d'être le meilleur possible. De ce que je pouvais donner moi, dans ce qu'on me donnait l'opportunité de faire. Et puis j'ai pris goût à ça, à jouer des mecs, et puis je suis allé prendre des cours, j'ai fait le cours Florent, et puis j'ai rencontré des gens qui m'ont, notamment une dame qui s'appelle Julie Villemont, qui m'a appris à jouer aussi bien que Raphaël joue dans le film. À respirer, exactement, merci. Et voilà, voilà. Et puis les choses, ben voilà, en fait, j'ai tout fait à fond. Tout fait à fond. Alors ça te demande de consommer beaucoup de Gaviscon, parce que je suis très stressé, très tendu à l'intérieur. Ça ne se voit pas ce soir. Mais il y a un pansement gastrique de fou, là. Mais parfois, bah, ça donne des cadeaux, comme film de Cyril. Et est-ce que Manu était sympa avec toi? Oui. Il faut savoir que Cyril, j'ai bossé la fois avec un mec super chauvin. À chaque fois que quelqu'un est niçois dans la vie de Cyril, ben, on prend 2 jours de pause sur le tournage et il va célébrer la niçoiseté du mec.
Et il m'a présenté des gens en disant « Trop court, il est niçois !» Donc on était obligé de faire des chenilles. Manu, tous les niçois sont chauvins, le Nord commence à Saint-Laurent-du-Var et à Carrosse. Bravo. Ça, je l'ai bien compris, mon gars. Mais quand vous bossez deux ans sur un projet et qu'ils vous disent « on le fait pas », eh ben sur le prochain, on se pose des questions aussi. Parce que voilà, c'est un métier, et puis ces films-là sont très difficiles à produire parce que justement, des fois, ils rencontrent leur public et des fois, ils ne le rencontrent pas du tout. Parce que souvent, les gens, ils ont envie de dire « Ah bah tiens, ce soir, on va aller voir une bonne comédie. Ah tiens, ce soir, on va se faire un polar. » Et ces films qui varient un peu les tons sont difficiles à identifier. Donc c'est pour ça, c'est une raison logique, hein, marchande, qui est pour laquelle ils sont durs à monter. Et la seule façon pour ces films aujourd'hui d'exister, ce n'est pas les pubs, le matraquage, le marketing, tout ça, c'est le public, c'est le bouche à oreille, c'est la façon dont ils sont perçus, la façon dont les gens parlent autour d'eux, on parle sur les réseaux sociaux, ils sont très importants, sur Allociné, et c'est ça qui fait que ces films-là peuvent marcher, et si on veut continuer à en voir, eh ben, il faut, quand on les aime, en parler beaucoup autour de soi, parce qu'ils n'existent que comme ça, et c'est comme ça que les chaînes et les financiers ont envie, parce qu'ils les aiment, hein, ces films-là. Quand on leur parle, ils disent pas « on n'aime pas ça », ils disent « c'est super, hein, mais c'est dur ». Et donc voilà, vraiment, si vous avez aimé le film, n'hésitez pas à en parler autour de vous, parce qu'il n'y aura que ça qui permettra à ce film d'exister. Nous, on se fait un petit tour de France là, du film, et puis c'est vrai qu'on prend des petites bouffées d'amour, hein, quand même. Faut le dire, c'est hyper... Des déclarations d'amour. Ouais, c'est hyper exaltant, ce qu'on vit, ce qui se passe. On a des gens hyper émus, on a des gens qui se déclarent leur flamme, comme ça, au micro. Et puis donc, ça fait plaisir. Mais donc voilà, si vous voulez vraiment continuer à voir ces films-là et que vous l'avez aimé, parlez-en, je vous le demande vraiment, parlez-en. Et il y a eu voilà, ces deux-là qui sont venus me voir après le film, tout touchés, c'était deux couples d'amis, ils me disaient « Ah vraiment, ah, ce que vous avez fait c'est super, on a vraiment adoré, nous on vient d'avoir des invites par la radio à 17h, on est venu, on savait même pas de quoi ça parlait, on disait « qui c'était ?» On est venu, et puis on est en plein dedans en ce moment. Et puis comme ils étaient ensemble, je dis ah, « ils sont en plein dedans, je leur dis « vous avez des enfants ?» Elle dit « Oui, on a des enfants, mais c'est pas ça le truc, c'est qu'en fait, on est en train de se séparer. » Elle dit ça, les deux, l'un à côté de l'autre, avec les copains à côté qui acquiescent. « Tiens, ouais, ils sont en train de se séparer. » Et donc, je suis hyper mal à l'aise. Je dis « Mais pourquoi ils viennent me raconter ça ?» Et puis je dis ah, « ben, je suis vraiment désolé, ça a dû être bizarre pour vous de le voir à côté, comme ça. » Je fais « Non, c'est pas ça. » Ce qu'on voulait vous dire, c'est qu'en fait, quand ils ont rallumé la lumière, au générique de fin, la chanson s'est regardée, et on avait les yeux un peu humides, et puis on s'est souri, on s'est embrassé. Et puis là, putain, c'était... vraiment, j'étais très touché. Alors, je sais pas s'ils vont se remettre ensemble ou pas. Mais voilà, on se dit que c'est cool. Et c'est peut-être un film qui fait du bien. Ouais, voilà. Qui donne envie de se regarder à nouveau et de se rencontrer à nouveau. C'est cool de se dire que, sans s'être jamais posé la question de pouvoir influer sur ce que les gens vivent et tout, on peut, voilà, faire provoquer ce genre d'émotion-là aux gens. Au cœur de ce que vous avez aimé le film, je voudrais que vous applaudissiez le plus fort possible afin de faire trembler tout le cinéma international. C'était super, vraiment. Merci beaucoup. Formidable. Merci beaucoup. Merci. Allez, Anne, c'est au revoir, à bientôt.